Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur X. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, les potes. Donc, les gars, dans cette vidéo, on va tout simplement vous présenter le casier, les gars. Attendez, il y a un nouveau truc dans la boutique. Qu'est-ce que c'est? What the fuck, nigga? Bon, ça m'a saoulé. Ah, il y a ça aussi. Oula! Moi, je comprends plus Dieu. Vraiment. Vraiment, les gars, achetez-moi un dictionnaire. Ça n'a aucun rapport, c'est pas grave. Donc, du coup, on est là pour le casier. Donc, on va présenter le casier. Le casier! Le casier! On va présenter! Donc, on va commencer par le bon état de l'écran de chargement. Donc, tellement je m'en bats les couilles, je vais même pas vous le présenter. Après les emotes, on a. Belair, Breakdance, Casse la baraque, Robot. Attendez, j'ai envie de roter là. Désossé, Dab, Calcul mental, Balai masque, Ballon de plage, Ballon de basket, Ballon de golf, Baf, Floss, Impatience, Le Vert, Meilleur pote, Popcorn, Pouce sexy, T'as perdu, Tagadaou. Et après, on se bat le coup de ça, tu déchires et zinzin. Et après ça, j'ai même pas envie de vous le présenter, j'ai juste présenté le truc vert. Je suis fou. Courbette. Consternation. Bien évidemment, la danse Belle Jean. Bah oui, ça c'est quand même. C'est quand même la meilleure danse du jeu. Oui, c'est normal. Donc on va commencer par les traînées. Donc arc-en-ciel. Bon, c'est tous des trucs du pass de combat, parce que de toute façon, il n'y en a pas eu dans la boutique, sauf elle qui était avec Raven. Je parle trop vite. Il y a aussi ça. Donc, c'est dans le pack PlayStation. Donc, le pack PlayStation que j'ai mis notamment sur les planeurs. Donc, les voilà, les petits planeurs. Donc, tout ce pass de combat, sauf lui. Donc pour ceux qui se demandent comment il a fait pour avoir ce truc là, comment il a fait pour avoir celui-là, moi je les ai pas, pourtant j'ai acheté tout dans le jeu, j'ai en gros plus en ligne. Non, en gros, ça, faut avoir sauvé le monde qui coûte 20 balles au moins cher. Donc c'est vrai que c'est un peu cher. Mais franchement ça va, c'est un bon mode de jeu, moi j'aime bien, j'y joue souvent. Donc du coup voilà, après je vous les présente pas, de toute façon les planeurs, tout le monde connaît. Bon, vous inquiétez pas, je vais plus m'attarder sur les skins que sur tout ça là. Les pioches, donc ça c'est pas de PlayStation. Tout simplement. Ah si, aussi il y a le planeur là, Flap Flap, qui est pas de PlayStation, je l'ai peut-être pas précisé. Donc là pareil, sauf pas tout se passe de combat sauf. Attends, en tout, attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En gros, il y en a 7 qui sont pas du pass de combat. Et ouais, c'est le pass de. Non, elle aussi elle est pas du pass de combat, mais elle est gratuite donc du coup je la compte pas trop. Donc ces poches là, vous savez, celle-là vous l'avez avec le niveau 4 de nomade, celle-là avec le niveau 5. Non, avec le niveau 4 de Ragnarok. Ragnarok. Dites, vous savez quoi? Je vais pas faire de débat. Soit vous dites Ragnarok, soit Ragnarok. Vous faites ce que vous voulez. Moi je dis Ragnarok, donc voilà. Donc après. Donc là il y a mes sacs. De toute façon je m'en fiche. Soit je mets celui-là. Soit celui-là. Soit celui-là. Soit celui-là. Soit celui-là. Soit celui-là. Soit celui-là. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment. Les autres, j'ai dû les mettre. Allez. Une ou deux fois chacun. Mais sinon, c'est vraiment ceux que j'ai de vous citer que je mets tout le temps. Celui-là, il est stylé, je le mets même pas. Celui-là, je l'ai dû mettre trois fois même pas. Alors que vraiment, c'est les deux ailes, truc dinosaure, nœud papillon, bouclier noir, lanceur glacial. Ça, c'est vraiment ce que je mets tout le temps. Le reste, je le mets pas. Je le mets pas. Donc, voilà. Et là, on passe au plus intéressant, les skins. Donc là, c'est le truc que j'ai le plus, comme vous pouvez le voir. J'en ai pas non plus de ouf, comme plein de youtubeurs auraient.
J'en ai déjà pas mal, comme vous pouvez le voir. Donc on a carburant, donc passe de combat, cast. Oui, j'ai des skins rares, hein, comme vous voyez. Tac, tac. Vous êtes... avouez que vous êtes jaloux. Non, les gars, commencez pas. Je sais que vous êtes jaloux. Je le sais. Bon, même s'il est moche, il est rare, donc je le garde. Chef de l'équipe rose, donc ça avec la pack sauver le monde aussi. Donc il y a lui aussi, très moche, très très moche. Chevalier noir, donc lui on l'a, ouais, lui on l'a. Passe de combat, le tout premier passe de combat qui est sorti, et ben on avait lui tout simplement. Exécuteur, bah c'est comme super production que super production que j'ai pas. Donc parce que la saison 3 vraiment j'avais air fait. J'avais air... non c'était saison 4. Attendez. Oui, c'était ça. En gros, saison 3, c'est les défis qui sont arrivés. Après, c'est les skins à débloquer comme ça qui sont arrivés saison 4. D'accord. Donc, du coup, après, expert Calion, Faucheur, saison 3, Nomad saison 5, lui, je vous dis, Ragnarok saison 5, Rapace, Ravage, Rex. D'ailleurs, j'ai jamais remarqué. C'est rangé par ordre alphabétique. Moi je croyais que c'était rangé par rareté. Enfin genre par rareté dans le sens... genre rareté. Non, en fait c'est marqué par ordre alphabétique. Donc pour ceux qui le savaient pas comme moi, n'hésitez pas à intervenir en commentaire parce que moi vraiment je savais pas. Voilà. Donc après tac, Rex, Valora, voleur de cœur. Donc oui j'ai le pack Saint-Valentin. Agent noir, agent d'élite, agent rebelle. D'ailleurs, ce skin-là, il était rare. Ils l'ont remis dans la boutique. Donc, du coup, il a perdu toute sa rareté. Voilà. Boss Burger, chasseresse, exploratrice lunaire. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ce skin. Sur ce skin. Qui le met? Franchement, qui le met? Personne. Personne le met. Donc, graffeuse. La pinette bagarreuse, donc ça c'est une sorte de petit skin officiel, enfin un skin que je mets quand même très très souvent pour ceux qui connaissent mes petites vidéos Fortnite. Je l'ai quand même pas mal. Voilà, il me fait kiffer ce skin tout simplement. Faucon, je le mets jamais. D'ailleurs, qui le met? Encore une petite question qui revient. Ligne rouge, marteau pilon, reine des boss. D'ailleurs, c'est la basique. Parce qu'en fait, je voulais pas prendre de pays. Parce que, à part le Canada, j'aurais bien aimé le prendre, mais en fait, j'ai pas envie. Donc voilà. Roi de la roue. Enfin, qui le met ça aussi? Qui le met? Non, mais personne met ce genre de skin hein, comme ça. Je comprends pas. Sauveteuse. Secrétaire de guerre. Pisteuse. Écuyer bleu. Chevaleresse. Ça, c'est des skins rares aussi. Donc je les garde. Forever. Ça, par contre, qui met ça? Donc ça c'était le premier pack PlayStation, Zoé, treillage bleu. Mais qui met ça? Qui met ça? Les gars, regardez sa tête. Il est perdu, il a l'air perdu, il pleure on dirait. Attendez, attendez, on dirait qu'il pleure là. Vous avez vu ses yeux? Bon, on va continuer tout en zoomant. Donc sur... on va zoomer sur... tiens. Sur ses bras qui sont complètement buggés. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tes bras ils sont buggés là! Wouah! Donc ses bras sont buggés. Comme on peut le voir, ils se rentrent l'un dans l'autre. Donc voilà. Après, on a elle. Rare, skin rare. Survivaliste. Terreur fluo. Chauffarde et scorpion. Donc voilà pour mes skins, les gars. Après, on va pas faire bannière. Donc, voilà, voilou. Je pense que cette emote sera vraiment une emote, vraiment. Faut pas la mettre. Donc, du coup, moi je vous dis ciao, 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 ciao. Et on va s'en aller sur un petit balimasque. Donc, voilà, les potes, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.